Aujourd'hui, 20 mars, nous célébrons la Journée internationale de la francophonie. C'est l'occasion de partager les valeurs que porte la francophonie à travers le monde, au sein de l'espace francophone et de ses plus de 320 millions de locuteurs, comme dans les pays où la langue française est moins répandue. Instituée en 1988, cette journée, qui est emblématique pour la francophonie, célèbre la fondation, à Niamey, au Niger, le 20 mars 1970, de l'Agence de coopération culturelle et technique, un ancêtre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Il ne faut pas l'oublier, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est aussi la seule langue, avec l'anglais, à être parlée sur cinq continents. Cette journée est donc une opportunité unique de mettre en relief la diversité de la francophonie. Car nous n'avons pas tous le même usage de la langue française. Selon les pays et les territoires, elle peut être apprise en famille ou à l'école, utilisée dans les milieux professionnels ou pour des démarches administratives, mais elle sert aussi les échanges internationaux, la signature de contrats, les médias ou les activités culturelles. Dans certaines régions du monde, elle n'est maîtrisée que par une petite partie de la population et cohabite souvent avec d'autres langues. Cette diversité, cette richesse d'utilisation sont mises en lumière par la thématique retenue cette année. 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Les événements organisés de par le monde visent à faire de la francophonie une véritable fenêtre sur la diversité culturelle de notre monde francophone. Vous l'aurez compris, le français est une langue aux multiples visages, une langue monde, présente de l'Europe à l'Afrique subsaharienne, en passant par le Maghreb ou encore le Proche-Orient, elle fait dialoguer des entités diverses et reflète des imaginaires très différents. Ces imaginaires auront un lieu pour se retrouver et se mêler. La Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, dans la région Hauts-de-France, à une centaine de kilomètres de Paris. Son ouverture prochainement constitue une contribution particulière de la France au bénéfice de tout l'espace francophone. La France porte de fortes ambitions pour la francophonie, qui culmineront par ailleurs lors du 19e sommet de la francophonie que la France accueillera en 2024. Ce sommet, dont nous aurons l'occasion de vous reparler, sera résolument tourné vers la jeunesse francophone, sa diversité et son avenir. Suivez toute l'actualité de la francophonie sur nos réseaux sociaux et sur ceux de l'Organisation internationale de la francophonie.